Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Romain Go, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à nouveau sur Star Wars Battlefront 2, bien sûr, le numéro 2. Donc, je suis sur PC, hein, j'ai rejoint l'Empire, donc si vous ne savez pas. Donc, cette fois-ci, on ne va pas faire du mode carrière, voilà, on va faire du mode arcade. Tout simplement bah, pour vous montrer un petit peu les autres modes de jeu, etc. Ne vous inquiétez pas, hein, je continuerai le carrière là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, tout simplement, on va aller en arcade. Donc, vous faites jouer arcade. Donc là, on va aller, en fait, là, vous avez la dite actionnelle. Vous avez les scénarios de bataille, donc là, les joueurs qui ont créé. Là, c'est votre arcade, donc c'est vous qui créez l'arcade. Donc là, par exemple, moi, la dernière fois, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez baisser au niveau des kills. Donc moi, je vais mettre 300, je vais mettre la planète Kamino. Mode de jeu en équipe, donc là, va falloir tuer les ennemis. Bah nous en gros on aura accès à tous les héros, pas besoin de points. Difficile de IA on a mis en normal, donc des équipes de 10. Les mecs en face bah ils ont accès à classe IA, ils ont accès à toutes. Commando lourd, officier spécial, commandant lourd, toutes. Et là bah, on leur met toutes. Clarada on a la mini carte etc. Donc là vous avez tout. Donc en mode de jeu on a bataille, on a assaut, donc là c'est assaut, c'est faut prendre des points, etc. On va faire bataille. Et c'est parti, on va jouer. Ah, ok. Donc en gros, l'arcade en fait c'est fait spécialement pour vous entraîner. Alors ne vous inquiétez pas, à la fin de la game, vous gagnez du crédit. Vous gagnez à peu près 102 crédits. Moi le maximum que j'ai gagné c'était 150 de crédit. Mais franchement, vous gagnez du crédit, un petit peu d'XP. Et en plus, vous vous entraînez. Donc, en fait, l'arcade, c'est un mode de jeu spécialement fait pour vous entraîner sur bah, les personnages où vous avez le plus de difficultés, comme les Jedi, les Sith, etc. Donc, bah voilà. Donc, moi, quand je l'ai fait, j'étais clone. Donc là, je ne sais pas si je vais être clone ou si je vais être droïde. Je ne le sais point. On est sur Kamino. Donc Kamino, pour ceux qui ne savent pas c'est quelle planète, c'est la planète la maison des clones. C'est là-bas où il y a la base de clones. En gros là-bas on clone les clones. Voilà. Donc là on a tous les personnages. J'arrive même plus à parler. On va tester tous les personnages. Voilà. Et c'est parti. Oula, attendez. Donc vous voyez mes cartes à droite, donc voilà. Ok, mes gars sont là. Donc la map est extrêmement grande. Ça, c'est très souvent ce qui se passe. Donc ça, c'est l'entraînement, voilà. Oula. Ah, me fait attaquer dans le dos. Je sais pas viser. Moi, bah. Je suis pas un expert du tout sur le jeu, j'ai débuté il y a pas très longtemps. Oh, mais mon teammate il se met avec son shield devant aussi, je peux pas. Oula. Oh là, est-ce que je suis nul? Voilà, on fait un petit massacre. Donc les coups de crosse, donc, hop, là j'ai un chargeur infini. Donc là, en gros, faut cliquer au bon moment et on a un chargeur infini. Donc on peut faire une gapette en rechargeant bien sûr. On détruit sa toile. Je vais mourir, voilà, donc je suis mort. Donc voilà, donc là-bas je suis mort, donc voilà.
Donc bah j'ai fait 19 kills déjà pour une mort. Donc là on va prendre le soldat lourd. Donc soldat lourd qui a une meilleure. Voilà, donc vous avez donc je vous montre un petit peu toutes les capacités, etc. Donc si je parle pas, c'est que je suis concentré dans le jeu. Le jeu est tellement classe. Alors moi je vous dis c'est cette map, hein, ma map préférée. Moi je vous le dis tout de suite. Sinon vous verrez quand vous aurez le jeu. Qu'est-ce que. Mec, tu fous quoi là? Il y a un droïde et un clone qui se collent. D'ailleurs, c'est trop marrant. Oh. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ah bah voilà. Mince. En gros, en fait, on a une mitrailleuse. Je vais vous le remonter. Je vais vous le remontrer, vu que je suis mort un petit peu trop tôt. J'ai pas pu vous montrer ce que je voulais vous montrer. Je vais pas montrer toutes les capacités. Je peux très bien. Voilà. Donc ça, c'était le lance-roquette, hein. Et que de base c'est un bouclier mais j'ai changé dans le socket, donc là j'attends de régène. Allez, bute-le. Donc en gros ça c'est une espèce de lance-patate qui one-shot à peu près tout le monde. Y a-t-il un joueur en face? J'ai vu qu'il avait une carte, donc je me suis dit, attends, il y a un joueur en face? Non, il n'y a pas de joueur en face, ok. Bon, bah bizarre. Bizarre qu'il ait une carte, le mec, en face. Donc que ce soit moi, je sais pas trop. Voilà, c'est par là. Pour changer de point de vue, c'est C1. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo, juste... bah, ma vidéo, en fait... Là c'est comme donc là c'est clone commandant en fait. Oh, il peut mettre un shield, donc bien sûr on peut pas tirer de l'intérieur, on peut pas tirer de l'extérieur. Allez hop. Oula. Hop. Si vous voulez plus, si vous voulez mieux viser. Aïe. Oula. Donc en gros, quand vous avez le shield, accroupissez-vous pour pouvoir, pour pouvoir ne pas mourir. Lui, il a un shield alors que c'est un sniper. D'accord. Maintenant, nous passons à la dernière classe, donc le sniper. Voilà. Le sniper qui est assez classe avec ses petites lunettes. What? Ok. Et donc là, en gros, c'est un espèce de jumelles Wallach. En gros, en fait, les jumelles nous permettent de voir les ennemis. Genre. Je sais plus comment on fait pour marquer un ennemi. Ah, il aurait pu me garder la porte ouverte. C'est pas sur cette map qu'il faut. Il faut. Je snipe. Oh, wow! Ah! Ah! Hop! Pas sur ce genre de map qu'il faut. Voilà, allez, coup de crosse. Bien saoulé. Oula. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Donc là, regardez, vous pouvez tirer dans les gens. Donc voilà pourquoi avec le bouclier, faut s'accroupir. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la classe. Sachez qu'on peut vous tirer dans les jambes. Aïe. Ah, dans le dos.
Voilà. Ouais, la classe sniper sur cette carte, elle est nulle. Sur toute carte, elle est bien parce qu'on est assez bien éloigné, mais là, elle est nulle. Bon, maintenant, on va passer au premier clone. Donc, voici ce clone. Donc, ce clone-là est vachement, vachement bien. C'est un petit peu. Voilà. C'est un petit peu. Boba Fett, Jango Fett, je sais pas si vous connaissez. Les deux plus grands chasseurs primes de Père et Fils. Ce sont des clones. Enfin, le père. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas prononcer leur nom vu qu'on ne sait pas trop. Oula. Ouais, le père, ben, en fait, c'est celui qui a été cloné. Bah, pour tout simplement former les soldats clones, si vous ne le savez pas. Et qu'est-ce qu'il y a? On lance roquette. Hop. Donc lui il a 2000 points il me semble, 2000, 3000 je sais plus trop. Hop, coup de crosse. Donc de base c'est V et le clic sur la molette. Tac, tac, tac. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Je ferai des modes multijoueur. C'est juste que là, bah, j'ai pas le temps d'en faire. Salut. Ah, je me suis fait tuer. Bah, pour le moment, ça va, ça va. Je suis premier de la game, normal. C'est des robots, hein, c'est des bots. Allez, c'est parti. Maintenant, on va prendre pas Chewbacca. Je le connais pas trop, lui. Peut-être sûrement le roi. Roi des machins. Mais Chewbacca il fait mal. Ça je peux vous le dire. Après ça je sais pas s'il fait mal. Ouais il fait zéro dégâts en fait. Il fait beaucoup moins de dégâts que Chewbacca. Vas-y sort de là. Chewbacca il a balle infinie alors que lui non. Ah non. Voilà. Bon, voilà un petit peu le personnage, il est pas formidable. Donc là, c'est parti, on va s'attaquer à l'un des plus grands Jedi. Je pense. Je pense que. Je sais pas si je vais me suicider avec lui parce que je sais qu'il est extrêmement fort et si vous le jouez bien, bah vous mourrez jamais avec lui. Donc vous restez appuyé sur le droit pour bloquer et tirer. Voilà. What the... Où est-ce qu'il me tire? Ok, c'est lui. Ok. Je vois pas trop d'où ils viennent. Ok. Donc ça c'est ce premier pouvoir, donc la force, one shot tout droid. Pour les avoir bien en face. Deuxième pouvoir, attention, un pouvoir plus... One shot tout le monde. Sauf bien sûr les héros. Et le troisième, c'est un espèce de dash.
Et on peut très bien. Et voilà, je l'ai buté tout simplement en voyant ses balles contre lui. Voilà, ça commence à laguer au niveau de cause, ça va être assez dur. Ok, ça va être dur, ça va être dur. Voilà, donc voilà. Qui fait extrêmement mal, donc si vous jouez bien, vous laguez pas. Moi je lag parce que je suis en rec. Sinon je lag pas d'habitude, hein. C'est juste que bah là vu que je rec, déjà c'est un gros jeu. Ah. Voilà, 4 de moi. Bon, j'ai buté, je suis mort. Ça y est, enfin. C'est un mec au loin qui m'a buté, MDR. Alors lui, je l'ai jamais testé. Vous dis, il y en a quelques-uns que j'ai jamais testé. Donc là, je teste du côté des gentils. Hein. Pour le moment, je sais pas comment faire pour aller du côté des méchants, hein, pour tout vous avouer. Mais sinon, voilà. On peut faire des roulades. C'est quoi ces roulades de côté? C'est plus rapide, c'est sûr. Allez. Salut, 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 salut. Salut, salut, salut. Aïe, 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 il me fait mal, oh. C'est quoi ça? Ah, d'accord, donc en gros, ça me permet de voir à travers un mur, ok. Ça fait quoi? Ok, on dirait une espèce de smoke qui pourrait faire des dégâts pour les ennemis, potentiellement. Il fait masse dégâts, lui, hein. En tout cas, ça se voit, hein, qu'il fait masse dégâts. Ça, c'est quoi? Ah oui, d'accord, là, ça vise automatiquement, non? Si je me trompe, non. Ouais, ça vise autour. Oula. Ah, mon. Ah. Mais, d'accord. Ouais, en gros, c'est un petit peu un Macri sur Overwatch. Vous connaissez pas? Oh là là. Meurs. Ah oui, d'accord, quand on vise, on. Attendez. Dites pas que. Ah si, on va à travers. Ok, d'accord. Non, on va vraiment à travers le mur. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un tout petit. Oula. F. Oh! J'ai pris tellement cher. Que ça? Oh oui, c'est du one shot, oui! C'est vraiment du style Macri dans Overwatch. Okay, salut, toi ça dégage. Il est vraiment trop cheaté, hein, ce perso, c'est pas possible. Franchement, ce perso, on pourrait croire qu'il est dégueulasse, mais non, en fait, pas du tout. Salut. Salut, salut. Ah. Mais en fait, je peux le buter. Salut. Salut. Vous n'êtes pas obligé de viser pour tirer, hein. Alors là, il n'y a pas d'ennemis, je ne sais pourquoi. Voilà, je me suicide pour pouvoir changer de personnage. Hop, on va prendre Leila. J'ai jamais joué à elle non plus. Allez, c'est parti. Je suis à 95 kills, ouais. Il en reste 60% de vie, nous 52.
Ça dépend, hein. Si j'ai pas le temps de faire tous les personnages, ben, je ferai une autre game bonus. Ah oui, en fait, wesh, mais c'est nul! Et c'est quoi ce perso? Mais... Ah oui, en fait, il n'y a même pas besoin de tirer, hein. Faut viser, en fait. Oh, mais mes teammates qui passent devant, du coup, je peux pas y piquer. C'est cheaté, ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord, ça avec deux corps gros, ouais, ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oh, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Oh, j'ai buté, mais je suis mort. Allez. Bon, prochain personnage. Il peut faire mal, mais voilà, c'est dur. Allez, c'est parti, on passe à Rey. Star Wars 7, Star Wars 8. Ah, voilà, donc, papa. Ok, d'accord, cool. Donc encore clic droit et hop. Donc vous restez appuyé sur espace et ça vous fait faire des jumps de malade. Et ah, en gros, voilà. Donc vous avez compris. En gros, là, ça vous permet de vous entraîner, hop. Ah ouais, bah, ouais, non, mais j'avais pas vu que je pouvais plus faire tout droit. Du coup, il m'a défoncé. Hein. Je ferai une autre game, en gros, avec les personnages les personnages que j'ai pas joué, les personnages que j'aime bien. Ne vous inquiétez pas, hein, je fais une autre game. Parce que on va gagner, là. Voilà, donc, c'est une charge. Permet de voir à travers le mur. Voilà. Et ça, en gros, voilà. En gros, voilà. Et hop, ils ont plus de tête. J'ai des def. Ah, voilà. Bon. Voilà, je suis mort. On passe à Yann Solo. Donc lui non plus, j'ai pas joué. Ouais, 120 de vie, il en reste 12. J'ai un petit peu mort n'importe comment. C'est quoi ce gun en fait? Ok, d'accord. En fait, faut pas viser en fait. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est une charge, ok, c'est comme Chewbacca. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, d'accord. D'accord, c'est ça, ok. On a win, voilà. On a win la partie. Ouais, donc là, je sais que je suis approximativement vers les 20 minutes. Donc voilà, voilà le crédit. Hein. Donc ça vous fait gagner quelques crédits, ça vous fait gagner quelques trucs. Là, du coup, on fait rejouer hein, simplement et hop. Ça vous relance la game. Bah, vous êtes toujours du côté clone, normalement. Si... Parce que moi, j'ai déjà fait, j'étais toujours du côté clone. Donc bah, maintenant, bah, c'est le moment un petit peu ennuyeux de la vidéo. Ah, c'est le moment où on doit changer. Bon, allez. Maintenant, on passe aux grandes choses. Methuda. Donc là, vous pouvez voir en haut à gauche, j'ai une carte de level 2 sur Methuda. D'ailleurs, je pas trop c'est quoi comme carte mais c'est bon. Oh marrant, salut. Salut.
Ok, donc Yoda, je vous dis, hein, il est vraiment fort. Ok, c'est des clones. Donc là, en fait, la roulade pour les clones, bah, c'est ça, en fait. C'est ça, la roulade pour les clones. C'est une avancée vers devant. Ok. Donc là, il y a une grande salle, là. La salle de dortoir des clones. Et on peut aller là-dessus. Mais, what? Oh, salut, toi. Voilà. Voilà. Donc F, bah voilà, ça fait un jump en avant, voilà. Et E, en gros, ça donne de la vie. Donc tout ça autour de vous. Pendant un petit temps, vous pouvez vous le faire plusieurs fois d'affilée, donc ça permet de survivre. D'accord, très bien. Je sais pas pourquoi ça n'a pas touché, mais... je vais tenter de sortir de la map. Ah voilà, donc là, ici, c'est là où il y a le clonage des clones. Attendez. Attendez, j'essaie de me... J'essaie de me mettre genre en vue... Bon, en gros, voilà. Vous avez ça. C'est de mettre genre en vue Yoda, mais... Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh hey hey, arrêtez là. Là, c'est une machine. Bref. Yoda est vraiment très fort. Eh hey, bouge. Il me fait bloquer. Ah voilà, on peut sortir par là. Et bonjour, bonsoir. Donc voilà, donc là c'est l'extérieur de Kamino, donc voilà. Hein. Vous avez la base. Donc voilà, donc là il y a des combats qui peuvent se faire totalement ici. Donc, bah là on les fait pas vu que c'est juste là. Mais regardez, on peut faire des combats là. Oh bah tiens, salut. Voilà. Et en gros voilà. Donc on peut aller là, etc. Donc là il y a genre le vaisseau là, etc. Donc on va y aller, hein. De toute façon on va mourir. Bon, on veut mourir pour avoir un nouveau perso, voilà. Donc voilà le vaisseau, on peut aller, etc. Allez. Ok, on y va. Bon c'est parti. Changement de personnage. Passé. Nous passons à Chewbacca. Chewbacca qui est vraiment cheaté, hein. Je peux vous le dire. C'est parti. Alors lui il a balle infinie, hein. Vous pouvez tirer, il n'y a pas besoin de recharger. Alors ça, F, c'est pour charger en mode... Abaisse-toi. Hop. Oula. Oh là là, ils étaient beaucoup trop nombreux. Bref, je vais le rejouer parce qu'il est vraiment cheaté. Vous avez pas bien pu le voir, mais vraiment, ils sont pas mal. Là, c'est... Voilà. Donc, on joue toujours pas des bots, hein. Hop, allez, on rush. Et du coup, ça c'est une grenade, voilà, donc là il charge. Voilà, et ça en gros. Seulement en colère et il tire ultra vite. Des balles. Salut soldat clone. C'est vous. Et quand là-dedans? Oh j'y vais. Salut.
Et... Salut. Salut. Donc ce mode de jeu vous permettra vraiment de vous entraîner sur vos héros préférés. Donc c'est totalement normal, hein. Ne t'inquiète pas, c'est la vidéo. Donc là je peux plus rien faire vu que ça... J'ai une grosse voix partir. J'espère que c'est totalement normal. Voilà. Alors, j'espère que le jeu n'a pas planté. Ah, je pense que ça. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé pour ça. Oh! Je suis en colère, moi pas être content. Non, le droïde il avance, bibioum, bibioum. Il bute 2-3 mecs en avançant, bibioum. Il nous reste Finn, voilà, Finn. Donc lui aussi j'ai une carte de level 2. J'ai jamais joué, hein. Je connais pas leurs armes, hein. Ok. Ok. Son arme a l'air d'être bien, mais. Il a l'air de faire du dégât en fait. Oula, waouh! Hey, il prend cher, dis donc. Alors, ça, c'est pour me heal. Hop. Ah, ça doit tirer automatiquement tout seul. Ouais, ça tire automatiquement tout seul, ok. Donc c'est genre... c'est genre... c'est pas Zenbot. Voilà. Donc je suis mort, il me manque une capacité à vous montrer. Je redémarre. Il a l'air d'être un petit peu paumé, hein. Où que je suis, qu'est-ce qui se passe? Allez hop, ça s'amusait à se casser le crâne par terre. Allez. Cours, cours, cours. Salut. Suis-je premier? Ouais. Ah, fall back. Soldat clone, fall back. Ouais, moi je peux y aller. Hein. Donc là, hop, du heal. Donc pour toutes mes troupes, voilà. Donc tous ceux qui restent à côté de moi, ben voilà. Gagne du heal. Et F, c'est. C'est. Je sais pas. Ça a l'air d'être du heal. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est du. Ouais, c'est du heal. C'est du heal. C'est du... En gros, je heal mes teammates à côté. Ah, c'est pas mal. Ok. Oh, une petite armure clone là par terre. Petite armure clone là par terre. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh c'était chaud là. Attention, moment de vérité. Moment de vérité, moment de vérité, ça y est, que dalle. J'ai de la vie supplémentaire. Ah, il y a des casques là. Petit moment de détail de la map. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, il y a des poignées. Ça, c'est quoi? Je sais pas trop. Bon, ça a l'air d'être de l'équipement de clone. Où qu'ils sont? Là. Il y a des tirs. J'arrive. Ah non.
Ouais, ça y est. En gros, en fait, toute la vie que j'ai en orange, et bah ça me redonne à peu près en vie normale. Salut. Pour l'honneur, dans un... Ok. Non, mais s'il vous plaît, le combat, c'est là, normalement. De base. Oui. Ah, ils étaient beaucoup trop, là. Ok, c'est parti. Donc là, on va jouer Luc. Donc ça y est, on a joué à tous les personnages. Donc là, on va jouer les personnages qu'on veut jouer, voilà. Allez, c'est parti. Ah, mais ton père, Dark Vador. Alors, je ne sais pas à quoi elles servent, ces grosses boules, là. Moi, il est pas content. Dégage. D'accord. Bon. Salut mes clones. Ah, mes clones. Ouais, mes clones. J'ai plus de vie. Perdre. Ok, d'accord, ils sont morts. Ok, très bien. Ok. Salut. Je me heal. Lui, il fait mal. Les droïdes lourds, ils font très très mal. Qui sont? Clone des clones en haut. Ils peuvent être là-bas. Là. Voilà. Faut pas que je risque ma vie pour rien. Puis moi def. Les petits droïdes comme ça, on peut les rush. Salut. Ah, encore. Un petit peu beaucoup là. Moi bien me régène, mais bon, on peut pas. Là, oula. Les gars, attention, parce que. Ok, donc ce qui est bien, c'est qu'on sait au moins où sont les droïdes. Ok, nice. Est-ce que c'était dans le dos? Oui. Oh ouf. Non, sérieux. Oh, ça se fait tellement pas ce qu'il m'a fait. Oh. Oh, vous avez vu, j'ai réussi à lui renvoyer toutes ses balles. Là. Là. Le reste. Il nous reste à faire 4 ans d'élimination. Salut. Oh
Oh, c'était chaud. Pour moi, j'étais mort. Attendez. Ok, on va faire. Non! Vous avez très bien vu ce que je vais faire. Allez. Hop, voilà, c'est bon. Et donc là, vous voyez, on peut faire une embuscade, genre comme ça, on se met là. Et on fait une embuscade. Yep. Par contre, montez pas plus haut, parce que sinon après, vous serez en jeu. Hop, on se complique pas la vie avec lui, on le bute. Plus parfois, c'est ce qu'il faut faire quand on a plus de vie. Ok. Il y a des droïdes ici. Oui. Aïe. Un sniper en plus. Non, parce que sniper, ça fait vraiment mal. Kill des droïdes ici? Non. Ah si. Hop, voilà. Je lui ai renvoyé toutes ses balles contre lui. Voilà. Voilà. Donc Luc est vraiment cheaté hein, quand vous savez le jouer. Plus il fait masse dégâts. Je vais sûrement mourir. Et non. Hop, il reste 39 mecs en vie, il reste 39 mecs en vie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se suicide pour changer de perso? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et vous pouvez voir qu'il est vraiment cheaté dans ce perso. Un petit peu comme Palpatine, quand vous avez toutes les cartes de niveau 4, avec vos éclairs, vous arrivez, vous one-shotez tout le monde. C'est chaud. Allez, go, on y va. Non, j'ai un HP! Ah! Butez-moi! Bute-moi! Mais. Imbécile, il est même pas capable de me buter, quoi. Il tire à côté. C'est quoi ça? Bon, là, la prochaine fois, je m'entraînerai en difficile plutôt. Oh, des droïdes. Oh oui, toi. Viens, tu fais mal. Vous savez ce qu'on va faire. Hop. Allez, c'est parti, on saute. On se bute, passer. On va prendre un soldat. Allez, c'est parti. Oui, parce que c'est bien d'avoir un Jedi. D'accord. Là, vous pouvez voir mes cartes à droite. Oh, il était un petit peu trop nombreux. Nous, il nous reste 146 de vie, on peut aller limite se suicider. Alors, n'hésitez pas à vous suicider, hein. Ça n'affecte pas vos stats. Hein. Aïe, mais il reste 5 vivants. Et c'est la victoire dans quelques instants. 4, 3, 2, 1, 0. Victoire. Victory. Et ben voilà. Et une deuxième game de 20 minutes.
Bon voilà, ça fait une petite vidéo d'à peu près 40 minutes. Fort sympathique. Voilà, encore 125 $. 125 $. Vous avez pu voir, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça augmente aussi vos stats. Hein. Ça augmente aussi vos stats là, etc. etc. Et bah, après, vous gagnez des bonus. Donc vous pouvez gagner de l'argent. Et en fait, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit, je vous montrerai avant de quitter la vidéo, que je connaissais pas ce que ça faisait cet objet. Et en fait, maintenant, je sais à quoi elle sert, cette sorte de monnaie. En gros, elle permet d'améliorer vos cartes de niveau supérieur. Mais pour ça, il faut être, moi, je dois être minimum de level 15. Et je suis bientôt level 7. Donc, je ne le peux pas. Pour le moment, voilà. Allez, on charge. Dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît. Vite. Allez, c'est bon? Non, oui. Ah, non, oui. Si, ah voilà, nice. Retour, hop, et hop. Donc, je vous parle de cette monnaie là. Je vous montre, hop, collection. Donc en gros, par exemple, Methula. Hop, personnalisé. Par exemple, on veut, hop, sa carte. Par exemple, hop, lui. Alors oui, on peut fabriquer les cartes avec ça. Et pour améliorer, vous voyez, il faut être level 15 minimum. Donc par exemple, la taille minimum de la zone d'effet est plus grande. Explosion de la zone d'effet accélère lorsque le rayon se décharge est maximal, déclenche une capacité. Ok. La santé bonus à Yoda lorsque son est ok. Yoda peut exécuter charge d'attaque une fois de plus au prix d'une vitesse de recharge. Ouais, et Yoda manie son sabre laser avec aisance. Ok, on va fabriquer ça. Allez, fabriquer. Et là, faut être rank 10 pour les mettre level 2, celle-ci. Celle-ci, il faut être rank 15, après rank 20 pour les mettre au niveau 4. Donc pour les mettre niveau 2, faut être rank 10. Donc déjà, en fait, pour pouvoir les acheter, faut être rank 5. Pour pouvoir les mettre au niveau 2, faut être rank 10. Pour pouvoir les mettre au niveau 3, il va falloir être rank 15. Pour pouvoir les mettre au niveau 15, il va falloir être rank... Déverrouiller cette carte. Comment je fais pour déverrouiller? Verrouiller, déverrouiller. Ah, Yoda. Ah oui, il faut qu'il soit de level 5. Ok, il va falloir que je joue. Donc en gros, pour augmenter ça, faut que vous jouez, faut que vous tuez des ennemis, etc. Il y a un système de level pour les personnages que vous ne voyez pas. Et donc, voilà. Donc, la vidéo va s'arrêter là. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas.